La Vieille Escuela Populaire del Cántabo, c'est un lieu où on a démocratisé l'accès à la culture. Ici au Paraguay, malheureusement, la culture c'est un luxe. Les gens comme moi, quand j'étais petite, ne pourront jamais y accéder parce qu'on n'a pas l'argent, mais aussi parce qu'on n'a pas la conscience que la culture c'est un droit. Quand je suis arrivée à Paris en 2007, j'ai cherché beaucoup de formations. La Sorbonne, Dauphine, je suis contente qu'il ne m'ait pas accepté. Le Conservatoire National des Arts et Métiers est plus adapté pour des personnes comme moi. Le cours était en soirée, ça m'a permis de travailler. La formation de Vietnam m'a fait repenser la manière de travailler la culture. J'ai découvert là-bas que la culture, ce n'est pas seulement une distraction et le spectacle. C'est un moyen de résister et de rendre la dignité aux gens. C'était un outil pour changer ma vie, pour moi-même, comme latino-américain, comme paraguayen, pour être fier à ma propre culture, pour récupérer quelques traditions et aussi pour développer ma propre communauté. Quand j'écris mon mémoire, j'imaginais un projet culturel pour mon quartier quand j'étais petite. J'identifiais beaucoup de choses que sans la formation du Vietnam, je n'aurais jamais questionné. On a organisé notre premier atelier dans la galerie d'art populaire. Mes élèves n'étaient pas des arrivants, c'étaient les enfants des clients de la galerie qui sont des diplomates et des personnes avec l'argent. Ce n'étaient pas les résultats recherchés. Le problème était l'espace choisi. Pourquoi les gens d'Arewa viendraient dans un lieu où on ne va pas? Je me suis souvenue du coup de Gna. Il ne faut pas écrire un projet dans les bureaux, il faut le faire avec les gens. Alors, on a décidé de faire les ateliers dans la rue, parce que la rue, c'est de tout le monde. C'est où tous les enfants marchent. On a travaillé 3 ans dans la rue et après, avec tout l'argent rassemblé, on a pu acheter un terrain, maison. On n'avait pas non plus d'argent pour embaucher un architecte. Alors, une fois de plus, on a regardé le territoire. Il y a quoi à Arewa? Les maisons anciennes à Arewa sont faites de terre. Et maintenant, notre salle de spectacle est faite avec un mélange de la nature, de la terre et des fumiers de cheval. Cette construction est pour nous importante parce qu'on a construit pendant 12 ans. On a retrouvé des savoir-faire du passé et ça nous a aidé beaucoup pour créer des communautés. Je pense que la création d'un capital culturel dans les jeunes est la chose plus importante de l'école. Avant, on était en compétition avec la télévision et le football. Mais maintenant, on a créé dans les jeunes la nécessité de pratiquer des arts. Ils se rendent compte que la culture est importante dans leur vie. Notre objectif n'est pas de créer des artistes, mais de réveiller dans l'intérieur des gens un intérêt pour sa communauté et aussi pour changer la manière de vivre de sa famille. L'Egnan m'a donné un barrage pour être utile à mon pays. Le Cántaro n'existerait jamais sans ma formation au Cantaro. Moi, je suis grandie à Capiatá, sans connaître l'accès aux pratiques culturelles, sans visiter une bibliothèque, sans voir jamais une œuvre de théâtre. Le Cántaro, c'est un mélange de ma vision qui m'a donné le CNAM et de ma propre réalité.